Salut Corinne. Salut Valérie. Alors je vois que tu as à nouveau quelques minutes à me consacrer pour un nouveau bricolage. Qu'est-ce que c'est ? Alors tout à fait, aujourd'hui je te propose de réaliser un photophore avec des feuilles color décor. Alors pour cela tu vas avoir besoin d'un photophore, donc un vase tout simple en vert blanc, transparent, des perforatrices, d'accord, un crayon 3D qui va nous permettre de réaliser des petites décorations. Bien sûr, l'élément essentiel, c'est des feuilles color décor. Donc, c'est des feuilles de couleurs différentes. Mm-hmm. Un bol avec un petit pot d'eau et le papier ménage. Très bien. Voilà le matériel dont tu vas avoir besoin. Alors, pour commencer, en fait, on va travailler sur un verre qui, c'est important, doit être vraiment très bien nettoyé. D'accord. Donc, idéalement, séché au produit vaisselle, idéalement, s'il y a une pièce qui est vraiment très sale, un petit coup d'alcool à brûler. On est sûr carrément qu'en fait, nos feuilles de couleur vont bien adhérer sur le verre. D'accord. Alors, la première étape, en fait, on prend des perforatrices. Aujourd'hui, j'ai choisi des petites fleurs. Et en fait, dans nos feuilles de couleur, on va perforer différentes fleurs de tailles différentes, selon nos perforatrices. Voilà, parfait. Voilà la première. Ah, voilà, ça c'est le risque, mais c'est très bien que tu l'aies fait. Donc bien faire attention. Moi, je te donne un petit truc. Voilà, on peut travailler très bien à l'envers, c'est-à-dire on met notre feuille, là on a un bon regard et voilà. Tu peux très bien appuyer à l'envers sur ta perforatrice. Ouais. Effectivement, comme ça, d'une part, ça évite de prendre trop de papier, en fait, qui est un déchet quand même. Et on est sûr de faire notre fleur correctement. Donc c'est le truc de la pro du jour, ça. On va dire ça. Voilà. Voilà, et t'appuies fortement. Parfait. Voilà. Voilà. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que comme on joue avec deux tailles de perforatrices, en fait, on va pouvoir faire de jolies petites décorations en superposant nos fleurs les unes sur les autres. Alors, pour cette deuxième étape, maintenant que nous avons terminé de perforer toutes nos petites fleurs, on va donc les coller sur le photophore. Alors pour cela, c'est en fait une feuille qui a été imprégnée de peinture. Mm-hmm. Elles ont une petite pellicule de protection à l'arrière, donc ce qui est blanc à l'arrière. Mm-hmm. Et cette particularité, en fait, on va tremper nos petites fleurs dans l'eau. Et quand notre papier de couleur a été assez imprégné d'eau, il va directement se décoller de la pellicule. La pellicule blanche va se décoller et on n'aura plus qu'à appliquer tout simplement notre fleur de couleur sur le photophore. Voilà, là elle est prête, elle s'enlève gentiment. D'accord. Alors là, je te propose de prendre ta petite fleur avec la pellicule blanche. Parfait. On secoue un petit peu. On va mouiller légèrement l'endroit sur le photophore où tu veux poser, voilà, ta fleur. On appose uniquement, bien sûr, la pellicule de couleur. Donc, parfait. Et la pellicule blanche, pardon, et c'est pour la poubelle. La particularité, en fait, tant que ton photophore est mouillé, on peut déplacer la fleur tant qu'on veut. Mm-hmm. Quand tu as choisi l'endroit où tu veux la fixer, tu vas sécher ta fleur avec ton papier ménage.
Donc je passe carrément dessus. Tu passes carrément dessus, il n'y a aucun souci, on ne peut rien déchirer. Voilà. Maintenant, voilà, tu vois que maintenant, c'est fixe. Alors maintenant, je te laisse décorer notre joli petit photophore. Là, je peux mettre plusieurs motifs dans l'eau à la fois. Tout à fait, tu peux mettre plusieurs motifs. Maintenant, je pense qu'effectivement, elles sont toutes prêtes. Alors là, il ne faut pas se tromper. Voilà, on prend le jaune. Voilà. Alors maintenant que nos grandes fleurs sont bien posées, on va passer à la décoration des plus petites qu'on a décidé de superposer sur les plus grandes. Je dois remouiller la fleur jaune. Non, il n'y a pas besoin. Parce que là, elle vient d'être... Si tu avais un travail que tu avais commencé peut-être il y a 24 heures, effectivement, il faut faut remouiller. Mais là, ta première fleur est encore humide. Donc, il n'y a pas de problème. On arrive à poser la deuxième. Comme ça? Voilà. Comme tu veux, comme elle est bien centrée. Donc, quand elle est à sa place, tu la sèches. En fait, quand on appuie un petit peu, en fait, il faut faire attention de bien écraser parce qu'il peut y avoir des bulles d'air. Mmh. Donc, en fait, c'est le but, c'est d'enlever le maximum d'eau pour éviter les bulles d'air. Parce qu'à la cuisson, en fait, les bulles d'air risquent de fissurer le papier. Donc voilà, maintenant, je te laisse. Tu continues à mettre tes petites fleurs. Et les enfants adorent parce que justement, ils peuvent déplacer leur sujet, leur petit dessin. Jusqu'à ce que ce soit... Voilà. Et on a le droit à l'erreur. Parce qu'en fait, si à un endroit, une fois, ta fleur ne te plaît pas, et ben avec un peu d'eau, tu peux tout enlever. Il suffit de remouiller. Il suffit de remouiller et tu enlèves ta feuille de couleur. Parfait, voilà, ton étape de collage est terminée. Donc, on va passer à l'étape suivante. Maintenant, tu m'as donné un perle marqueur, là. Voilà, alors effectivement, ça c'est un crayon 3D. D'accord. Tu poses ta petite perle, la grosseur que tu as envie, ça, il n'y a aucun souci. Et après cette étape, en fait, voilà, elle est parfaite, bien centrée. Donc, je te laisse terminer, tu les fais toutes. Et après cette dernière étape, en fait, bien sûr, il va falloir quand même y cuire hein, pour fixer ces feuilles de couleur au vert. La cuisson se passe simplement dans un four traditionnel que nous avons tous à la maison. Il faut simplement attendre 24 heures après ton travail. En fait, ces 24 heures permettent à l'eau qui est encore dans tes feuilles de bien s'évaporer. Mm-hmm. Et au bout de 24 heures, en fait, on met cuire ce photophore dans le four à 180 degrés pendant 30 minutes. Maintenant, une fois de temps en temps, je conseille de le mettre au lave-vaisselle. Régulièrement, à la longue, je pense que les feuilles, honnêtement, vont se décoller. D'accord. Mais souci, en produit vaisselle, avec une éponge, ça se décolle pas. Parfait. Ben c'est très très joli voilà. En tout cas. Alors voilà, en fait, avec le même système, je voulais te montrer qu'on pouvait très bien décorer une assiette, transparente également, et aussi ce color décor s'adapte très bien sur la porcelaine. Mm-hmm. Donc je trouve que les motifs ressortent très bien. On n'est pas obligé en fait d'utiliser aussi une perforatrice. Si tu as envie, tu peux découper, comme j'ai découpé ici, des triangles, des barres, les ronds. Mais là, tu le fais au cutter, j'imagine. Là, j'ai fait au cutter, effectivement. Et les petits triangles, je les ai faits au ciseau sur les coins de mes feuilles de couleur. Mm-hmm. Donc, si tu n'as pas de perforatrice, tu peux très bien aussi décorer une assiette, un photophore. On n'est pas obligé d'investir dans une perforatrice. D'accord. Là, sur ce modèle-là, en fait, je voulais montrer qu'on peut utiliser aussi des très, très grandes parties de feuilles de couleur. Et je conseille, bon, cette assiette-là, elle va être une assiette de décoration. Si tu veux utiliser des assiettes pour manger tous les jours, je te conseille de faire la décoration au dos.
Oui. De ton assiette. Comme ça, la nourriture n'est pas en contact avec le papier colore décor. Mmh. Et surtout, les coups de couteau non plus, qui risquent quand même d'abîmer tes jolis motifs. Mmh. D'accord, ouais. Voilà, pour aujourd'hui, cet atelier est terminé. Moi, je te remercie encore une fois. J'ai passé un bon moment. Merci à toi, Valérie. Et puis, ben, à bientôt. À bientôt pour la suite.